présente ton beau-père, Jean. Allô? Excuse-moi. Ah, on est Seigneur Dieu! Saucisse! Hey, toi, reste là. Pour jouer avec nous ce soir, Alex Perron. Joël Legendre. Pierre-Yves Laure. Jean-Philippe Vautier. Mario Jean. Et voici votre animateur, Éric Salvaille. Oh! Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce soir, tout est permis. Il n'y a pas une émission de télé, pas un show, pas un gala qui place autant les invités sur la corde raide. Parce qu'ici, il n'y a pas de texte, pas de pratique, zéro préparation. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Parce que ce soir, tout est... Oui, c'est parti! Hey, merci, vous allez bien tout le monde? Ouais! Bienvenue à ce soir, tout est permis. Et non, vous n'avez pas la berlue. Mario est bel et bien accompagné d'un ami. Oui, oui, c'est Cha-Cha, Challenger. Challenger? Oui, oui, c'est un chien Mira. Ah si, ben oui, il est beau, hein? Il est beau, ben oui, c'est ça. T'avais besoin d'aide pour marquer des points ici ce soir, Mario? Pour me guider. Hein? Oui. Oui. Non, mais ça, hey, c'est-tu beau, hein? C'est ça, c'est très... C'est des chiens Mira, donc, qui accompagnent les personnes aveugles ou les enfants autistes ou les enfants en... et ça, c'est... Oui, c'est mon rêve. Ça aurait toujours été mon rêve de devenir un chien Mira. Mais pourquoi? Pourquoi, ben, écoute, c'est utile. Ça fait un beau travail et tout ça, mais j'étais pas bon. J'ai suivi tout le cours, là. Puis finalement, ils t'ont rejeté. Moi, je mangeais les assiettes des aveugles. Ça fait que... Ça marchait pas. Mais pourtant, tu as toutes tes aptitudes. Regarde, il s'est foiré, ça a pris deux secondes. Ça connecte. On va le faire tous les deux, tcha-tcha. Ah ouais. Joël, j'aimerais ça que tu me flattes. Vous êtes beau ensemble. Faudrait que tu le grattes aussi dans le cou, Joël. Oui, d'avant. Exactement. Regarde ça. Oui, Challenger qui est avec nous parce que nous participons, nous aussi, à cette journée de programmation spéciale de V entièrement consacrée à la Fondation Mira, intitulée « La journée qui a du chien ». On a tous déjà vu des chiens Mira, mais moi, je ne savais pas que ça prend 2 ans environ, puis 30 000 piastres pour former un chien Mira. Ah, saviez-vous ça, vous autres? Non, mais est-ce que tu pourrais le redire, mais avec encore moins d'entrain? Non, je m'en vois. C'est... Je trouve que ça manquait un peu de vie, de naturel. J'aimerais ça que tu recommences. Challenger est avec nous parce qu'on participe à la... parce qu'on participe à la journée qui a survécu en ce moment, la journée spéciale pour la Fondation Mira. Ah ben là, j'ai le goût! La journée qui a du chien! Parce que on a déjà tous vu des chiens guides, mais est-ce que vous saviez que ça prend à peu près 2 ans, 30 000 piastres pour former un chien? Vous ne saviez pas, hein? Mais non, il y en avait. Première fois que j'entends ça. On n'avait jamais entendu ça. Moi, je pensais que ça prenait 3 jours. Les chiens de gabarbe. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui nous regardent à la maison en ce moment. Tout au long de l'émission, vous allez voir défiler un bandeau à l'écran avec les détails. Si vous désirez faire un don, c'est le temps. Donnez généreusement. En plus, ce soir, on vous divertit gratis. Oui, hein? Gratos. Bon. Je suis très content, Joël, que tu sois ici ce soir. Non, mais... Je suis content, Joël, que tu sois revenu jouer là, après tout ce que tu as vécu, les événements...
Je parle bien entendu d'être déboulé dans le décor penché lors de notre premier épisode. Oui. Puis moi, je me tente jamais. Oh non! J'aimerais ça leur montrer. Ouais. Je me tente pas. Regarde ça. Ça, oui! Voilà! Ben voyons donc! Ça, là! Ce qu'on retient de ça, c'est que tu finis toujours par te relever. Oh. 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 Il est à bout. Oh. Arrêtez pas dire une bitcherie sur mon cas. Ben oui. C'est long. Ben. Hey, c'est pas la fois qu'il y a un gars des boules. À soir, si tu montes là-dedans, tu prendras le chien. Va t'aider. C'est le seul invité qui a déboulé dans notre décor penché. Malheureusement. En deux ans. Malheureusement. Ah. Moi, il y en aurait que j'aurais voulu voir débouler. C'est pas arrivé. Hey, t'as même pas une émission avec les chiens, mordu de chien, hey, mordu de toi. Mordu de toi. À Canal Vie. Oui. Où il y a des chiens avec des aptitudes, qui sont... Oui, ils font trois chiens et leur maître qui font compétition pendant une demi-heure. Oui, ça prend des chiens intelligents, c'est pas facile à trouver. Oh. Peux-tu nous vendre ça avec un peu plus d'entrain? Bravo! Oh, bravo! Ah. Je souhaite à tout le monde d'animer un jour avec des chiens. Et t'aimes les chiens? J'adore les chiens. C'est ça. Si je pouvais, j'en épouserais un. Mais c'est pas encore légal. Ça s'en vient. Yeah! Tu sais que tu peux en épouser. Il y a des chiens aveugles, hein? Oh! Hey, mon Dieu! La table est mise. Et là, avant d'amorcer le prochain jeu de façon officielle, on va essayer quelque chose de nouveau. Okay? Ah boy. Là, vous allez tous aller en arrière. Vous avez chacun quelques accessoires qui vont vous servir ou vous nuire, c'est selon, pour le premier jeu de la soirée. OK? Okay. Ouais, allez-y, go. C'est par là. Go, go, hey, go! Hey, bonsoir, là, bonsoir. Hey, pendant que j'ai le crachoir, puis qu'il n'y a personne de m'interrompre, j'en profite pour vous rappeler de faire un don à la Fondation Mira et de donner généreusement. Bon. Là, je m'adresse aux joueurs. Est-ce que vous êtes prêts en arrière? Oui! Ouais! OK. Je ne sais pas si mes invités aiment danser, mais avec les accessoires qu'on a décidé de leur faire porter, j'ai comme l'impression qu'ils vont un peu chercher le beat, puis il y en a qui vont avoir les deux pieds dans la même bottine. J'invite tout le monde pour Alors, on danse! J'aime donc bien ça! Aïe aïe! Excuse-moi, excuse-moi! Aïe aïe! Excuse-moi! Arrête! C'est la première fois qu'on l'essaye, ça. Et peut-être... La dernière! Alors, vous allez comprendre qu'on a décidé de s'amuser à vos dépens. On vous impose des petites contraintes de rien pendant votre danse. À peine, ben oui! Des contraintes de trois pieds carrés. Oui, ça, il n'y a pas ça dans ton show, les dieux de la danse. Là. Vous dansez pas avec des raquettes à babiche. Je pense que je vais intégrer ça. Tu vas intégrer ça? De la babiche, ça fait à tout le monde. Oui, ça, c'est vrai. Regarde comment ça te fait un beau pied. OK, vous êtes prêts? On va aller voir sur quelle chanson vous allez vous déhancher. On se tourne ici. C'est pas facile, là. On a vraiment ça, moi. Mario. On va te le dire. I'm gonna be 500 miles. Excuse-moi, comment? 500. Juste 500, là. 500. J'ai pas mon Dieu. 500 miles. Ah, oui. Ah, OK. Une de mes préférées. 500 000. La connaissez-vous, celle-là? Oui, oui. Alors, ça, c'est Jean-Philippe Beautier qui va danser là-dessus. Ça, c'est beau. Est-ce que ça veut dire que c'est la première puis c'est moi qui commence? Oui, c'est toi qui commence avec tes raquettes en babiche. OK. Ces bottes sont faites pour marcher. Joël, ça sera toi. Ben oui. Avec des bottes de ski, c'est facile, là. C'est très facile. Ouais, une chorégraphie se fait super bien avec ça. Des pointes, toi, c'est bon. Ben, hey, regarde ça. Magnifique. Bouger. Oui. N'en connais pas celle-là. Non. Ça, c'est un doigt de Mario, c'est qui, ça? C'est toi. C'est moi. Oui. Faut que je bouge avec ça. Oui. Avec ta camisole de force. Avec ton bassin. Vas-y avec Écoute, le bassin. Si je t'ai pas attaché, je sacrerais mon gant de site, moi. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu bouges des jambes en tabarouette parce que tu n'as aucun mouvement du haut que tu peux faire. Connais-tu Houdini? Oui. C'est pas moi. Houdini, il sortait de ça. Il sortait de ça, lui. Dans l'eau. Ah oui? Dans l'eau avec un cadenas. Elle est même pas barrée. Mais moi, dans l'eau avec un cadenas, on va me sortir. Elle est juste attachée de ma main. Ouais, ouais, ça, tu te détaches de ça. Ouais. Moi, dans l'eau, je suis full. Donc, On a également Jump Around. Ah oui, Alex. C'est moi. Alex. Oui, oui. Voilà.
Ça, ça doit être belle fun à faire. C'est ouais. la première fois que tu mets ça? Oui. Comme si tu avais besoin de ça pour sauter partout dans ouais. la vie. Il me semble que ça ajoute un petit plus. Ouais. Hey, ma hanche en plastique va débarquer. Get ready, c'est une tourne d'hockey. Ah oui, OK, ça va être moi, ça. Ah, oui, jamais... ça doit être celle-là. Tu sais, get ready! Oui, mais sur la note, oui. J'ai jamais eu autant de plaisir à porter un casque, mais j'étais habitué de danser sans protection d'habitude. Fait que ça va faire bizarre un peu. Oh! OK. Alors, attention, vous êtes prêts? Oui. C'est sur ces chansons-là que vous allez bouger. C'est toi, Jean-Philippe, qui commence. Oui, oui, oui. C'est votre Alors on danse tout de suite dans 3, 2, 1. C'est parti! Oui, y a-t-il quelqu'un qui m'aide, non? Oui, il y a quelqu'un qui va t'aider tantôt. Un petit peu plus tard. Ne faites pas juste donner à Mira. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Il n'y a pas de problème. Ah! Oups! Mario? Ça me pique d'un bobette. Non, mais... tu viendrais-tu m'aider? C'est quoi? Ça me pique d'un bobette, là. À quel niveau? Ben, au niveau où ça pique, là. Correct? Hey, vous étiez fabuleux. J'ai une preuve de ça. Regardez. Au ralenti, là. Regarde ça. Wow! Oui! Oui! Le serpent, mais ça, c'est bon, ça! Oui, t'es drôle. Mais oui! Quand tu vas se mettre à... Ah! Ah, c'était gracieux! Ah, ça a-tu voulu, ça? Oui, des années, des années! Ça a voulu, ça! C'est excellent! Toute une performance! Bravo, bravo! Hey! Vous aimez ce que vous voyez? Bien, restez là, parce qu'après la pause, on continue de vous en mettre plein la vue! Mario, pour le prochain jeu, tu gardes ta camisole de force. On est de retour à Ce soir, tout est permis. Votre party du lundi se poursuit avec les jeux les plus fous de la télévision du Québec. C'était bon. Non, Mario. Mario, tu pourrais-tu être... Mario. Un peu. Mario. On va l'avoir. Mario, j'avais quelque chose à te dire. Pour le prochain jeu... Mario, pour le prochain jeu, tu gardes ta camisole de force. T'es sérieux, là? Oui. Faudrait que tu repasses ta main avant. On va la remettre. Es-tu assez serré? Chez nous, c'est ma blonde qui met ça. On va te têter ça un quand peu. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. J'en dis-tu trop, moi, là? Non. Quand vous faites l'amour? Ouais. Ah, oh, mon Dieu! Sinon, c'est une crise de folle. Ah. Alors, vous êtes prêts? Hey, oui. Ce sont de véritables poètes du body. Ils vont d'ailleurs bouger comme des vers. J'appelle
dans le sens de poème. Là. Ah, j'appelle tous mes invités pour jouer à l'Alpha Yoga. Ah oui! Alors, vous savez comment fonctionne l'Alpha Yoga? Oui. Hein? Je vais vous donner un mot. Vous devez reproduire ça avec toutes les lettres avec les membres de votre corps. N'importe okay. quel membre de votre corps peut servir. Et je vous rappelle que l'émission est dédiée à la journée qu'il y a du chien pour recueillir des dons pour la Fondation Mira. Ah, ça va être des mots de chien, il y a bien ça. Ah, exactement. On a décidé de choisir un mot de circonstance. Vous êtes prêts? Oui. Alors, vous vous couchez par terre, hein, parce okay. que ça joue avec la caméra qui est en haut. Okay. Vous devez reproduire V pour Mira. Ah, là, c'est facile. Hein? V pour Mira. Je comprends pas. Non, non plus. Au complet. Alors, chacun de vous, ensemble, vous faites un V. Après okay. ça, ensemble, vous faites un P. Okay. Ensemble, okay. vous faites un O. Je leur explique tout. Okay. Ensemble, regarde, vous faites un U. Regarde le V, là, on le fait. Là. On le fait. Non, non, c'est tout le monde. Okay. En... Wow, c'est pas parti, là. C'est toute la gang. Oui. Chaque personne doit servir. Oui. Hey, moi, on dit ça. Ouais, mais on va avoir un V déséquilibré. Là, on est cinq. Ouais. Ah, non, mais je vais faire un. Je vais faire un. En au bout, moi. Quoi? On va être au bout, moi. Parfait. On n'a rien compris. Au bout. Vous êtes prêts pour votre Alpha Yoga? Oui. Oui. C'est parti. OK, le bout, le bout. V, ça me prend un V. Attendez un peu, bougez pas. Bougez pas, on va voir si c'est bon. C'est bon! OK. Un P. Reste là. On cherche un P. Moi, je vais me courber. OK. Non, mais je vais faire encore la job. Allez, vous êtes dans mes cas! Ah ouais, couche-toi! Salut, Mario. Salut. Ça va? Ça va bien? On cherche un P. Ah oui. T'as peur? Voyons. Ah oui! Hey, ça, c'est un beau P, très beau! Un O! Un O! Un O! On va mettre là avec un O! Est-ce que c'est pas trop facile pour vous autres? Comme ça! Hey, Mario est superbe! J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut voir la face de Mario? Le O est excellent! Excellent! Un U, ça va être un U! On fait juste un V! Comme le fait! Vous êtes rendu au U! Pierre-Yves, t'es pas obligé de toujours rentrer tes jambes de même. Non, non, je pense que Pierre-Yves a trouvé son confort. J'ai toujours dans le cou, là. On aime ça que Mario soit dans la fourche de Pierre-Yves. Ah, c'est capté. Bon. Un R. Un R. OK, un R. Maintenant. Hein? Non, regarde comme ça, là. Ah, faites une boule. C'est pas facile, là, R. Faites une boule, toi, puis... Faites une boule! Toi, c'est Alex. Je vous rappelle que c'est en minuscule, hein. Hein? Ah, ouais, non. Okay. Allez, reste là, reste j'en rajoute. Je rajoute des difficultés. Ça va être long, là. Ah, ouais. Long, hein? Ah, ouais. Mets-moi ta graine dans le cou, encore. Viens, ah, ouais. viens. Voilà. Ah! Hey, c'est malade. C'est super bon. Le R est bon. On cherche maintenant le M minuscule, hein? Toujours. Ben non, non. Hey, il y a un M. Mais non, okay, pas... toi, oui, ça se marche. Trois personnes. Trois? Reste là. Oui, je suis là. Ici. Ça va? Bon. Ça va hey, Denis Filiantro qui vient d'en venir. Sors de là, toi. Non, ça marchera pas. Viens-t'en. Sors de là. Sors tous les blessés. Mets-toi là. Droit. Hein? On fait bon. Les trois pattes. Ah, OK. Mets-toi droit. OK. Les trois pattes. Viens-t'en. Ah, OK, là, je me comprends. Mais je m'ennuie de la tête à Mario. Toi. Mario. Hey, Mario, c'est super bon! Je m'ennuie! C'est bon! Oh là, le M est bon! On est rendu au I! Hey, je veux faire le point! Je veux faire le point! C'est moi! On le fait là! Le I, c'est un tout un par-dessus l'autre! Alex, tu fais le point! Alex, fais le point! Attends! Bouge pas! Hey, il faut vous monter! Montez-vous sur le tapis! Vous êtes trop bas! OK. Il faudrait vous monter, ramper vers le haut. Oui. C'est correct. Attends un peu. Attends un peu. Dans le moment, j'ai pas mon I, hein. Je l'accepte pas, ça. Je suis très sévère. Hey, c'est pas un I très bon, les boys. C'est beau. C'est pas pire. On est maintenant avec un R minuscule. Pas un majuscule? Ah non, c'est un R tantôt. Pour changer, je vais faire un R majuscule. Ben oui, ben oui. Je vais faire un A grand tantôt. C'est ça, ça comme ça, mais tout comme moi. Ça? Mario, je m'ennuyais. Attends un peu, j'arrive. Ah ouais, amène-toi.
Viens ici. On va faire la boule. Ah, ouais. Ouais. Hey, c'est surprenant comment il y a peu d'hygiène. Mais toi! Hey, attends, je... Ah! Il est super beau, super beau. Et ça se termine avec un A minuscule. Ah! Ah ouais, c'est bon, fait... regarde. On fait la boule, puis ferme là où les pieds sont. Cinq personnes qui savent pas écrire en lettres attachées. Ça va pas bien. C'est accepté! On les applaudit! On le... Wow! Malade! Alex, il y a la crève toute de travers. Hey, c'était parfait. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, c'est bien fin. Non, mais vous l'avez eu, là. Hey, c'était vraiment plaisant. Mario, tu sortes qu'on t'enlève ce maudit camisole de force-là. La costumière, la maquilleuse, toute la gang. Arrangez-moi ça. C'est... Viens t'asseoir, Mario. Viens t'asseoir. Ah! Allez, j'adore. Allez. Hey! Viens ici. Viens. C'est des souvenirs, Mario. Tu te bâtis des souvenirs, Mario. Là, mon Kiro va dire, qu'est-ce que vous avez eu? La graine à Pee Wallet! Ben, c'est un poids supplémentaire. Ah, ben, écoute, ouais. C'est un bon, un bon corps de lit. Ah, c'est sûr. Voyons voir si vous avez été bon. Regardez ça une fois, ensemble. Wow! V pour Mira! Hey! C'est un des meilleurs. Le A est pas exactement ça. Le A est so-so, mais c'est un des meilleurs alpha yoga qu'on a eu. Bravo à vous autres. Wow. Félicitations. Regarde-moi le I. T'as-tu vu le I? Ah, hein. Après la pause, mes invités m'obéissent au doigt et à l'œil. Quand je leur dis coucher, ils se couchent. Et c'est dans une caserne de pompiers qui vont le faire. Revenez-nous. Oh. Attendez pour gonfler les muscles, sinon, toi, on va te faire fin février pour pas qu'on te voie trop longtemps. Mes invités sont en feu, sont hot. Alors, imaginez-vous donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les habiller en pompiers pour notre prochain jeu. Oui. J'appelle Joël, Jean-Philippe et Mario pour jouer au décor couché. Bon, des fois, quand on dit que le party tombe à plat, c'est une mauvaise chose, mais pas à ce soir, tout est permis. Ici, le plat, c'est très positif et drôle. OK. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de participants. J'espère que vous aimez jouer avec le feu parce que vous allez vous retrouver dans une caserne de pompiers. Okay? Oui, ah ouais, il y a alors, ça, là. Oui. Ben oui. Alors, dans une caserne, il y a toujours des pompiers, Joël. Oui. Ouais. Et ce sera vous, les pompiers. Jean-Philippe et Joël, pompiers. Et Mario, tu seras le chef pompier. Oh, ça, j'aime ça. Là, je commence à aimer ça. Donc, okay, tu vas diriger ces deux-là. Mes tabarnouches. Ah. OK, vous êtes prêts? Oui. Alors, allez de ce côté-là, vous installez. Let's go, les gars. Installez. OK, OK. Ouais. On rentre, là? Non, je sais pas, les pompiers. Alors, l'action est simple. Les pompiers sont à la caserne en attendant un appel d'urgence. Vous vous installez près du camion. Et Mario rappelle à Joël et Jean-Philippe que les photos du calendrier des pompiers s'en viennent et qu'ils doivent se pratiquer. All right. OK. Je vais faire des push-ups, moi. Oui. Mais parce que moi, je suis assez bon, parce que je suis capable de faire des push-ups sur une main, mais à l'envers. Alors là, je vais faire un flip. Wow! Wow! Wow. Ah oui! C'est hot, ça, les gars! Ouais, ben, les boys! Faut vous entraîner pour gonfler les muscles, sinon, toi, on va te faire fin février pour pas qu'on te voie trop longtemps. OK. Mario invite donc Joël et Jean-Philippe à faire avec lui les fameux push-up tulipes sur les mains, la tête en bas, les jambes écartées. Ah. Oh, tu viens de brûler le poche, voilà! OK. Je savais même pas que tu fallait qu'on fasse tant que ça. Voilà, les gars, on va vous faire une nouvelle sorte de push-up. Ouais. Ouais. Ouais, d'après moi, vous allez être bon là-dedans. Vous virez la tête, OK? Oh, on se prend comme ça, c'est ça. Ah. Ah. OK.
OK. Ouais, mais là, t'es allé un peu trop compliqué. Faut y aller tranquillement. Regarde okay. ça. Mais. Mais c'est quoi ce type-là? Wow! Oh! 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 OK? OK! Ah. Ça va? OK, alors, là, vous descendez! Ça. Vous descendez! Oh! Oui! Oh! On s'en va, les gars, on s'en va! Oh! Oh! Une main! Oh! Oh! Une autre main! Oh! Je vais lâcher, okay. Mario! Hey, lâcher! Hey, je vais lâcher! Attention! Il ne faut pas oublier le cardio, Mario. Non! Quand tu es suffisamment musclé, tu alors, prends le cardio, break. Vous allez me suivre. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte des marches pour descendre. Oh! À quatre pattes! Attention de ne pas tomber, Joël! Ouais! Oh. Oh! On descend! Ah ouais, là! Ah ouais, là! On descend! À quatre pattes, attention! Là, vous allez débouler, là! Ça, faut être habile en tabarnouche parce que moi, je suis pas bon là-dedans! Non! 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 Oh! 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 Je te tiens! Je te tiens, Mario! Je te tiens! Mario! Je te tiens! Je te tiens! Oh! Ensuite, même exercice, cette fois-ci avec le poteau. Il s'agit de monter le poteau et de le redescendre. Il n'est pas facile. Oh. Ah, vas-y, Joël. Okay. Qui veut commencer, là? Il est là. Tu l'as dans les jambes. OK. Ta-n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 a. Oh, ouais, bravo. OK. Vas-y, Mario. Excellent. Moi, là, ce que j'aime, c'est de faire cette passe-là. Oui. Comme ça, et là, tu fais... Fou! Tu tournes sur le poteau de même. On voit ton string, Mario. Ouais. Et Mario, tu fais aussi ta célèbre passe perpendiculaire. Oui, comme ça. Oui. Tu... Oh! 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 Wow! Oh! C'est beau! L'homme drapeau! Ensuite, la force. Tu leur proposes, Mario, de faire de la souk à la corde, mais avec un boyau. Je te lance. OK. Je pense qu'il y a un bout en métal, hein? Oubliez-les pas. Oui, oui. Ça sera plate de vous péter les palettes. Alors là, vous mettez là-bas, là. OK. Tirez-moi bien ça. Moi, je suis le milieu. Hé, hey, mon Dieu, il est désert. Oui, tire. OK, les boys. OK. Vous tirez le premier qui sera à moi. Vous êtes prêts? OK. Un, deux, trois, go. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, tire. C'est le souk à la corde. Ah, j'avais compris danser à la corde. Ah, ben écoute. Ah. Parce que ça se fait aussi. On va le... Comme ça. Regarde, comme ça. Moi de la... Mais... Mars! Hey, ça, c'était bien meilleur que le sucre à la corde. Ben, oui. Il y a le sucre à la crème aussi, mais ça, c'est notre affaire. On dirait que je l'ai pas assez bu, je prendrai encore une petite shot. Ah oui, donc! OK! Les-moi! Son janvier! Février! Ah! Viens, attends, hey, Joël, je t'attire vers nous autres, OK? OK. Prêt? Go! Ah, il est fort, il a pas l'air de ça, mais il est fort, que... à ta marouette. OK! Oh. Excellent. C'est bon. Jean-Philippe, t'as aussi un exercice fabuleux qui raffermit les muscles des fesses et des abdominaux. Tu fais faire l'avion à Joël comme quand ils étaient petits. Jean-Philippe prend Joël en lui tenant les mains, en le montant sur ses pieds. Je vais me mettre sur... Tu comprends, Joël, l'avion, hein? Pas trop, non. T'aimes pas l'avion? Alors, bouge pas. Je comprends pas grand-chose de ce Je vais me mettre plus proche ici. Fais-y okay. faire l'avion, Mario, toi, là. OK. Alors, Joël, viens ici. Mario a une soudaine envie. Il quitte la caserne. OK. Alors, là, je vais te lancer dans les airs. OK.
Reviens, reviens! Oh mon Dieu! Mario, c'est l'heure de la photo. Joël et Jean-Philippe prennent des positions impossibles okay. dans tous les sens, tout en montrant leurs muscles. Faites-moi! Et... Faites attention à ce que vous faites, là. OK! Regarde-moi avec tes beaux... Oh! Février! Tiens, oh. On est février! OK, OK! Oh! Oh! Vlant de mois de mars! Attention! Oh! Oh, ouais, monsieur! OK, les boys! OK, moi, je me prends une posture de photographe! OK! Hop! Ça, c'est bon, ça! Oh, ah, bouge pas, bon. Bouge ça, pas! Ça, je sens que c'est juillet! Mois de juillet! Ah, ouais, non! Ah. Et maintenant, hey, hey, on fait la photo du mois des morts, novembre. Ah! Ah ouais, t'as hey, l'air mort. C'est mon mois de fête. OK, c'est correct. On s'en calisse. Oh! Soudain, oui. La cloche sonne. Oh! Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une alarme. Oh, hey, 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 Mario décide que tous les pompiers sortent en courant avec le tuyau pour aller éteindre l'incendie. À Rio! Dans Rio. La nuit, la sirène. Alors, comme tu vois, on n'est pas pressé, on est des pompiers. On peut sortir par là. Il n'y a pas de temps. Et tout ça sous les applaudissements d'un public en délire. Hey! On les applaudit. Bravo! Oh, merci. Wow. Super bon, hey! Hey, ils ont chaud, ça n'a aucun sens. Hey, profitez de cette pause pour faire un don à Mira. Ça permet à ceux qui en ont besoin d'obtenir un chien guide gratuitement. Merci beaucoup de le faire. Et après la pause, mes invités, eux, vont tout donner. Ils vont jouer au photomime! Oh! Seigneur Dieu! Un arbuste! Un arbuste! Un éléphant! Un marteau! Hey, ça va bien! C'est pesant! Pour jouer au prochain jeu, ça prend des membres fonctionnels. Un plus de... ça commence bien comme un j'aime comme pas ça. Ça prend des membres fonctionnels. Je vais aller dans mon char, moi. Un peu de flexibilité. On va aller dans mon char. Et le moins d'égo possible. Je vais aller dans mon char. Et à eux trois, ils réunissent toutes ces belles qualités. Joël, Jean-Philippe et Pierre-Yves, venez jouer au photomime. Désolé. Désolé, les gars. Bon. Vous savez comment jouer au photomime. C'est un classique à ce soir, tout est permis. Joël, tu vas commencer. Tu mimes ce qu'il y a dans l'écran, vous essayez de trouver et vous faites la rotation comme ça, chacun votre tour. Wow. Okay? Lâche pas, Joël! Let's go, Joël, t'es capable. 2 minutes 15 que vous avez, c'est parti. Tempo. Hésitation! Explosion! Une explosion! Implosion! Une bombe! Dynamite! Bombe! Bombe! C'est bon! C'est bon, c'est bon! OK. C'est bien parti. Seigneur Jésus, Dieu. Crucifixion. Okay. Le ONF. Abat-jour. L'ONF. Non. Perruque. Une perruque. Non, non. Arbre. Oui. Pommier. Une sorte d'arbre. Oui, une sorte d'arbre. Un arbuste. Un arbuste. Un cerisier. Un cèdre. Un cèdre. Petit un bonsaï. Oui. La statue de la liberté. Oui. Ah, oui. Un éléphant. Oui. Un éléphant. Ah-ha! Un moustache! Un cloueur! Un marteau! Marteau! Construction! Un hochet! Un hochet! Une planche! Oui! Que tu t'es donné... OK! T'es confortable? Un coiffeur! Fil d'arrivée! Un coiffeur? Trimé! Se trimer! Un sécateur! Sécateur, une... Coupé! Ciseaux! Ciseaux! Oui, ciseaux! 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 C'est bon, c'est bon! Genre, on n'entend rien ici, hein? Non! Ah! Une poule! Poule mouillée! Un œuf! Un œuf! Ça va, Alex? Ça le ferait plus! Laisse faire ça! Un cowboy! Lasso! Un cheval! Une selle! Cheval! 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 C'est bon! Hey, ça va bien!
T'es pesant! Il vous reste 35 secondes. Un lion! Oui! Oui! Un lion. Très bon! Come on! Mais manger, grignoter! Okay. Une biscotte, un petit pain! Biscuit. Un biscuit! Ça va bien! Lâchez pas! Une tondeuse! Manger, une nageur! Piscine. Une piscine! Un bateau! Un ski nautique! Ouais! Ski nautique! Il reste 10 secondes, vous avez la chance d'en faire un autre. Une belle un oiseau, une colombe est partie en voyage. Yoga! Hindou. Yoga! C'est bon! Bravo! Fort! Toute une performance. C'est bon, les gars. Une ovation debout. Une ovation debout. C'est bon. Hey, c'est rare qu'on a des ovations debout pendant ce jeu-là. Je sais. C'est parce que vous avez eu 13 bonnes réponses. Oui, je sais. Donc, deux grâce mais à moi. Non. Ouais, ben ça, c'est de ta faute. Deux grâce à moi. Oui. Après ça, je t'ai fermé la trappe. Hey, mais hein? Croyez-moi, à ce soir, tout est permis. On a peur de rien, puis on aime le risque. La preuve, on a décidé de les faire jouer ensemble pour la prochaine manche. Alex, Mario, venez-vous-en, c'est le photomime! On demanderait... On jouait, nous autres. Oui, vous jouez. C'est bien pour dire. Et là, vous êtes deux seulement au ben, lieu de trois. On a compris ça, on est capable de compter. Dans certains cas, ça aide. C'est vrai. Ça dépend de ton partenaire. Alex, comment tu qualifies ton partenaire? Es-tu heureux? J'ai pas de sentiments. Mario? En ce moment, je suis comme vide. Mario, ton partenaire? J'en ai encore moins. Parfait. On sent déjà une complicité extraordinaire. Ça va vous aider pendant le photomètre. 2 minutes 15, pas une seconde de plus. C'est parti. OK. Regarde-moi bien. Patachou. Qui? Pétanque? Pétanque. C'est bon. Vite. Ouais. OK. Une souris. Un chat. Un chien. Pétanque. Un taureau. Un taureau. Corridor. Il saute. Une vache, taureau, c'est bon. Rodéo. Taureau, c'est bon. Taureau, tirer le taureau par la queue. Rodéo, esti. Taureau mécanique. Boum. Mécanique, on passe. Vas-y, Mario. Ben, c'est évident. Moi, je t'ai jamais mimé une mécanique, mon maudit. C'est vrai. Pelleté. Enterré. Un potager arrosé, empoté, planté. On cherche un arbre. Le monsieur qui fait ça. Un jardinier. Bon, c'est bon. Hey. Voyons, changez le mot. Okay. Soccer. Oui. Allez-y, moi, je prends pour vous autres. Ça paraît. Hélicoptère. Voyons, le père Foura. Faire caca. Une couche à bébé! Non, qu'est-ce que c'est ça? Une marchette? Un petit vieux? Ouais, un petit vieux, mais donc il est sur, assis sur... Une chaise roulante! Une chaise, c'est bon. Personne? Exactement! Let's go, perdez pas de temps, c'est bon. Y en a-tu de l'empathie pour les vieux? OK, Barbie! Un évier. Barbie, elle met sa poussette, elle fait son marché. Oui, elle fait l'épicerie. Un panier d'épicerie. Exactement. Allez, je sais pas, ça va bien, il vous reste 34 secondes. Un jeu qu'on attendait mental. Flûte de pan. Ça va bien. Grimper d'un rideau, monter d'un rideau, un escalier, une échelle. Échelle, exactement. Allez, vite, c'est bon, il reste 19 secondes. Gigueur. La gigue? Oui, presque. La claquette? Claquette, c'est bon! Let's go! Il vous reste 10 secondes! Patin! Traîner ses souliers! Oui, patiner! On cherche quelque chose qui se met la nuit! Hey, on les applaudit! Alex et Mario! Bravo! Tu sais, quand t'as dit on cherche quelque chose qui se met la nuit, là, c'était le temps que ça sonne en calvasse. Parce que je t'ai amené sur une mauvaise piste. Ah, j'avais plein d'affaires dans la tête. Ah oui, bien, on cherchait pantouf, finalement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Premièrement, on était juste deux. Ouais. Puis deuxièmement, m'avait mis avec le gnochon de la gang.
Troisièmement, c'était pas les deux plus brillants. Hey! Il pourra on partait avec Ken Roche dans les souliers! Il pourra en dire autant de toi parce que t'as pas ta meilleure performance. Ben non, mais c'est parce que tu leur as soufflé 26 réponses. On n'est pas à l'école des femmes. J'ai le droit de prendre pour qui je veux. Oui, je prenais pour eux autres. Ils étaient juste deux, ces pauvres diables-là. On a fait combien de réponses? 8! Wow! Pas sûr. Hey! C'est presque 13, mais pas vraiment. Profitez de cette pause pour faire un don à Mira. Ça permet à ceux qui en ont besoin d'obtenir un chien guide gratuitement. Merci beaucoup de le faire. Et après la pause, mes invités, eux, vont tout donner. Ils vont jouer à Articule! Saucisse! Testicule? Saucisse! Genou? Saucisse! Mamelon? Saucisse! Pour bien prononcer, il n'y a rien de mieux que de faire appel à deux gars de région. J'appelle Alex et Pierre-Yves. On joue à Articule! Alex ici. Oui. Pierre-Yves là. Okay. Un jeu que j'aime beaucoup. Wow. C'est simple, vous devez décoder le mot que Pierre-Yves vote. En fait, vous, c'est moi? Oui, je te vous vois. Hein? C'est super. Hey, ça va être difficile avec mes petites lèvres. Hein? Ben, c'est ça. Ça va être tough avec mes grosses babines. Toi, tu peux dire deux mots en même temps. Oui, alors Alex, oui? Tu lis sur les lèvres de Pierre-Yves. Tiens. Et tu tentes de deviner quel mot il te dit, OK? Hey, ça va bien. C'est correct? C'est bien vos écouteurs de 1944. Alors, on va voir tes lèvres. OK. Dodu immédiatement oh ici. Oh my God. Voilà, OK. Pour que les gens puissent suivre. J'ai-tu du tartre? Attends. OK, t'es correct. Je suis correct. Donc, 1 minute 30 pour obtenir le plus de réponses c'est possible. Long. OK. C'est parti. Pépinière. Pas trop fort. Merci. Pépinière. Pépinière? Oui. Oui, maman. Voyons. Détestable. Détestable. Testicule? T'es pas loin. Pas loin? Détestable. Tétraède? Ça va bien. On peut-tu passer? Passe. Passe. Délicieux. T'as pas le droit de mimer. Délicieux. Oui. T'as pas le droit de mimer. Je suis très sévère. Winnebago. Winnebago. Oui. Oh, les Noirs, vous êtes fantastiques. Ouistiti! Ouistiti! Voyons! Vous êtes donc bien bon! Il entend, là, il entend! Funéraille! Faut rire! Funéraille! Furotte! Funéraille! Passe! Il est mort! On passe! Ah ouais! Saucisse! Testicule? Saucisse! Genou? Saucisse! Mamelon? Saucisse! Nombril? Saucisse, calice! Passe! Hey, t'as pas le droit d'en passer mille! Chuchoté! 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 Oui! Ouais! Oesophage! Il reste 5 secondes. Oesophage! Ouvrage! Ah! Ouvrage! Hey! Hey, on les applaudit, c'est pas facile! Vous avez eu 5 points! 5 points! Bravo! Hey, c'est le fun d'avoir ces babines en IMAX. Mais 5 points, c'est très bon. Êtes-vous fier de votre performance? Oui, écoute, j'ai jamais vécu ça. Ouais. On va aller voir si l'autre équipe va être meilleure. Je pense pas. Ils ont tous les deux une belle gueule. Ils s'habillent bien. C'est qui? Ils dansent comme des dieux. Hey, c'est encore ça! Ben, plein de qualités inutiles pour mon prochain jeu. J'appelle Joël et Jean-Philippe pour Articule! Ça, c'est le jeu. Joël ici. Jean-Philippe là. Même principe. Tu dis tout ce qui te passe par la tête en voyant les babines de Jean-Philippe. Oui. Jean-Philippe? Oui. Hey. Tu tentes d'être bon là-dedans là, parce que tu as 5 points à battre. Bon. OK? Oui. Dieu, voici tes babines en gros plan, qu'on voit ce que ça donne. Hey, Joël, il danse tout le temps. C'est énervant. 1 minute 30 pour obtenir le plus de bonnes réponses possibles. C'est à vous. C'est parti. Marmotte. Barboston. Marmotte. Barboteuse.
Barboteur. Marmotte. Barbotte. Bref. Oh! La barbotte. Marmotte. Ma grosse plotte. Passe. Agricole. Assez. Agricole. À l'école. Ah! Agricole. Articule. Agricole. Agricole. Ouais! Let's go, ça va bien. Yo-goût. Trop cool. Yo-goût. Don't cool. Yo-goût. D'un coup. Yo-goût. Yeah, laisse faire. Pause. Marmelade. Marmelade. Ouais! Retrouvaille. Une couverte. Pause. Voyons. Coopération. Oh mon Dieu. Une équation. Coopération. Opération. Oh, presse. Coopération. Coopération. Post-opération. Hey, on les applaudit. C'était quoi ces mots-là? C'était pas facile. C'était les pires mots. Vous avez eu des mots difficiles. Oui. Alors pour ça, tu nous donnes 2 points de plus. Non. Ce qui fait 5. Non. Vous avez eu 2 points seulement. Mais on était bien plus drôle. Bien plus drôle. On vous applaudit. Ça m'a fait beaucoup rire. Je m'adresse aux abonnés de Bell Téléfibre. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la recommencer depuis le début avec la fonction rejouer. Non, et au retour de la pause, mes invités vont devoir lutter pour répondre à mes questions. Et c'est même pas une figure de style. Restez là. Ah ben moi, je lutte pas. Ça, c'est rare, hein, quand tes yeux arrivent d'un mamelon du gars. Oh mon Dieu! Allô! Il y a 2 traditions sportives bien implantées au Québec. Le hockey, évidemment. Oui, et la crosse. Et la lutte. Oui. Et qui dit lutte, dit la famille Rougeau. Et on a le plaisir ce soir de recevoir sur ce plateau. Oh mon Dieu! Non seulement le père, mais aussi le fils. Je vous demande d'accueillir Cédric et Jacques Rougeau! Et calvaire! Salut, Jacques! Salut! Amène-toi, Rougeau! Ah ouais, c'est ça! Il est bâti, notre tabarnouche. Ah ouais, cache-toi! Cache-toi derrière Salvaire, Rougeau! J'ai jamais vu aussi brave de loin. Sais-tu quoi, Rougeau? Je vais rester loin. Oui, faites bien attention. Hey, bienvenue. Toi, je te réserve la prise du petit paquet. Hey, il te parle, Alex! La fameuse prise du petit paquet. Hey, bonsoir! Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien? On est en forme! Père et fils, là, juste pour notre information personnelle, Cédric, une petite question. Tu mesures et tu pèses combien? Je mesure 6 pieds 7. Pas de l'air de ça à côté de toi, mais 315 livres après ça. T'as pas connu l'intimidation à l'école, j'imagine? L'intimi quoi? Parfait. Alors, expliquez aux invités qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement, Cédric. J'ai déjà entendu ça. Ça a l'air qu'eux autres, il faut qu'ils répondent à des questions, puis nous autres, on les brasse pendant une minute de temps. Il faut qu'ils essayent de penser pendant que je les passe au bar. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Mon prochain joueur a la tête pleine d'informations pertinentes, ce qui ne l'empêchera malheureusement pas de se faire dépeigner. Jean-Philippe, c'est l'heure de ton remue-ménage. Et ça me fait plaisir. Vous avez même pas idée comment ça me fait plaisir. Parce que parfois, Jean-Philippe... Enlève ton chandail, Jean-Philippe! Hey, enchanté, non, ça va bien. Oui, est-ce que tu as rencontré nos... Jean-Philippe, ça me fait plaisir que ça soit toi. T'es bien fin. Parce que tu peux avoir l'air un petit peu baveux, toi, dans la vie. Non, mais... Hein? Mais pas autant que toi. Un petit peu baveux. Et ça peut avoir l'air arrogant. Puis eux autres, ils n'aiment pas ça, les gens arrogants. Hein? Oh que non. Oh!
Alors, Jean-Philippe, là, c'est à soir que tu vas retomber sur le plancher des vaches. Est-ce qu'il y a des petits sacs à vomi? Oui, en dessous du matelas. All right. Mesdames et messieurs, Vautier le boucher affronte les Rougeaux. Jean-Philippe, ton remue-ménage débute maintenant. C'est parti. Ah! Oh, mon Dieu! Quelles sont les couleurs du drapeau du Québec? Les couleurs... Les couleurs du drapeau du Québec! J'entends pas une question! Les couleurs du drapeau du Québec! C'est bleu et blanc! Bleu et blanc, c'est bon! Quel est l'aliment de base du panda? L'aliment de base du panda! Le bambou! Le bambou, c'est bon! Dans quel pays se situe... Dans quel pays se situe la Grande Muraille de Chine? En Chine! Oui! Quel est le résultat de 27 divisé en 3? Ça fait 9! Exactement! Quelle est la capitale de la Saskatchewan? Regina! Regina, t'as dit? Ouais! Quel est le nom du trophée décerné aux gagnants lors du gala de la 10? J'ai pas entendu! Quel est le... Non, non. Ah! C'était Jean-Philippe Vautier. Merci, messieurs. C'était un grand, grand plaisir. Je vais aller aux toilettes. Jean-Philippe, oui. Un des plus beaux moments de ta carrière vient d'être vécu ici. Voilà. Hey, ça, on va voir ça là, aux enfants de la télé dans les prochaines années sans arrêt. Jean-Philippe, tu as réussi une très bonne performance. Mais Jean-Philippe, vous, ça claque, 5 points, Jean-Philippe. Oh, ouais. 5 bonnes réponses. De toutes les personnes qu'on a prises de même dans toutes mes émissions, dans toute ma carrière, t'es le gars qui a suivi le plus. Moi, je te lève mon chapeau, t'es hot en moi. Voilà. Pour notre prochain candidat, il a la tête de l'emploi, mais c'est la shape qui a un peu moins. J'appelle Alex pour son remue-ménage. Alex! Est-ce que je peux juste jouer avec Cédric? Moi, le père me tente moins. Honnêtement, il est bien sympathique. Il pourrait venir souper le dimanche. Je te présente Cédric. Allô, Cédric! Hey, ça, c'est rare hein, quand tes yeux arrivent d'un mamelon du gars. Allô! Ça a l'air, ça. Je peux peut-être juste voir, là. Ouais. Oh. Hey, ça va bien jusqu'à maintenant. Je te présente ton beau-père, Jean. Allô? Je suis consentant pour ça, mais c'est... Alors, Que du plaisir! Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Alors, attention! Alex! Hey, vous vous rappelez que moi, j'ai deux hanches en plastique. Si vous me pétez ça à soir... Alex, c'est à ton tour. Oui. Tu vas devoir affronter les deux Rougeaux en même temps en essayant de répondre à mes questions faciles, OK? Ouais! T'es prêt? Non! Est-ce que... Là, c'est 60... Ha! C'est 60 secondes. Il fait une feinte. Oui. Il a, fait il le a tellement eu peur! Oui. Là, là, j'aimerais ça que tu battes 5 points là, de Vautier. Moi, mon but, c'est de me frotter sur Cédric, le reste. Alors, attention, vous êtes prêts? Oui. Alex? Yeah. Préparez-vous, regardez-vous, regardez-vous. Hey! Hey! Alex, attention, le remue-ménage d'Alex Tyrex Perron commence maintenant! Tyrex? Ah! Qui a précédé Barack Obama en tant que président des États-Unis? Quoi? J'entends rien! Qui a précédé Barack Obama en tant que président des États-Unis? George Bush! Qui était le président avant Barack Obama? Dad!
C'était George W. Bush. En quelle année a eu lieu l'exposition universelle de Montréal? En quelle année, là? En quelle année? En quelle année l'exposition universelle de Montréal? En quelle année? Voyons! En quelle année? En quelle année l'exposition? Hey, parce que là, il n'y a aucune bonne réponse encore. En quelle année? En quelle année l'exposition universelle de Montréal? Ça a eu lieu. Oh non! Non, Chélie! C'est fini! Ah! Man! Man! Il est mort! Il est mort! Ça va du... Ah, la cloche a sonné! C'est terminé! Alex, es-tu correct? Bravo! Incroyable! Puis, Cédric! Tu te rappelles-tu lequel des deux c'était? Je l'adore! Alex! Attends de voir ta lune de miel! Yes! T'as eu aucune bonne réponse. Hey, j'étais en train de gérer des bras, des mamelons, des péteux, des genoux. Fait que tes questions, tu les mets où je parle. Un des meilleurs moments de ce soir, tout est permis, grâce à Alex Perron, Jean-Philippe Bautier. On les applaudit. Et merci à père et fils Rougeau. Merci beaucoup, les boys. Et je rappelle que si on veut assister à un des galas des Rougeaux, on se rend sur le jacquesrougeau.com. Merci encore. Au retour, mes invités devront improviser dans... Ah! Ça t'apprendra, mon salaud. Tu veux le placard? Hey! Hey! Le prochain jeu se passe dans le noir le plus total, exactement ce que vit la pinte de lait là, quand la porte du frigo se referme. J'invite donc mes trois petits berlingots, Mario, Alex et Pierre-Yves. Ils vont jouer dans un sketch intitulé « Un mariage pas comme les autres », dont voici l'excellente distribution. Mario-Jean et Alex Perron joueront les nouveaux mariés heureux et Pierre-Yves Laure sera le serveur qui fera tout basculer. Alors, les prochains moments vont se passer dans le noir complet. Hey, juste avant, j'aimerais ça remercier l'équipe de production qui connaissent vraiment bien ma taille de veston. Je vous sauve vraiment bien de votre part. On se fend le cul à être mince. Puis qu'est-ce qu'il te donne? Un veston quatre fois trop grand. Il te va bien, Alex. Ben, je comprends donc. Oui. Hey. Là, j'aimerais remercier aussi l'équipe de production qui connaissent très bien mon orientation sexuelle. Voilà. Ouais, bravo. J'aimerais remercier l'équipe de production pour le titre du jeu, Un noir dans le noir. Il va faire noir longtemps, mon homme. Hein? Varda, es-tu venu? On va te voir juste les dents. Si la tendance se maintient, on va voir juste les dents. Attention, parce que c'est vrai que vous allez être dans le noir total. Yes. Nous, on va tout voir grâce à des caméras infrarouges. Ben voyons donc. Non, c'est fou, ça. Vrai, vrai comme je suis là. Ça n'a pas de bon sens. C'est donc bien technologique, ce show-là. Voici l'histoire. Alex et Mario viennent de se marier. Okay. Ah, on est mariés. Oui. C'est la nuit de noces. Non, non. Wow. Ah oui, donc. On pourrait-tu ramener Cédric? Alors, c'est la fête. Mais Pierre-Yves, toi, tu es serveur. Oui. Et tu vas provoquer tout un chambardement pendant cette soirée. Non, c'est festive. Vraiment, ça? C'est ce que tu vas voir. Oui, je pense que... T'es le premier à rentrer. C'est le chambardeur. J'ai une petite idée. On te laisse rentrer. Okay. Hey, c'est parti pour Dans le noir. Pierre-Yves, tu entres.
Et tu te diriges à l'arrière du gâteau monté là, qui est au milieu de la pièce. Oui. Ah, enfin les invités s'en viennent. Ah, hey, hey! Je vais boire ma peine, ça me fait chier en estique, mon amant. Se soit marié ce soir. Alors, tu trouves les vins. Oui. Voilà. Ça me gosse. Honnêtement, Mario m'avait promis, c'est avec moi qu'il allait finir ses jours, de le voir se marier avec cette petite affaire-là. Ça me fait vraiment quelque chose. Alex et Mario, oui, vous entrez. On entre, là, disons. Oui. Vous entrez, vous arrivez, vous débutez par une danse. C'est une valse, bien entendu. Mon amour! Oui, chérie. Viens danser une valse avec moi. Ça, là. Attention, j'ai un peu bu. T'as trop bu, mon amour? Ah! Hey! Faites-vous exprès, là? Excusez-nous. Hein? Faites-vous exprès pour faire ça dans ma face? Nous sommes mariés. Ouais, je sais que vous êtes mariés, mais ça me fait de quoi? Honnêtement, Mario, tu le savais que... Tu le savais que j'étais sensible. Pierre-Yves, oui? N'interromps pas la danse. C'est une valse. Ouais. Taisez-vous, serveur. Les amoureux veulent danser. Ils parcourent toute la pièce. Ils sont très bons danseurs. Oh oui, un beau petit slow collé. Ouais. Mon amour, comme quand on s'est connus. Oh oui. Je te rappelle. Oh oui, je m'en souviens tellement. On était allés à la lutte. Oh oui, et on avait rencontré Cédric. Oh mon petit cœur! Arrête de parler de Cédric! Non, c'est terminé. Arrête de parler de Cédric! Pierre, tu sers le champagne à Mario. Des amoureux? Oui. Oui. À la vôtre. Ah, merci. Mario, ça me fait plaisir de t'offrir ce petit verre. Il va falloir qu'on se parle tantôt. Hop, ici, c'est mon petit verre. Tiens. Ah. Il est où, ta petite affaire? Elle est juste à côté, ici. Tiens. En face de toi. Oh, mon écœur. Non, mais regarde, là. Lancez le champagne. Non, absolument pas. Tiens, bois. Bois. Buvez à votre amour. C'est ça, soyez heureux. OK, on va faire un petit drink croisé, mon amour. Ah oui, attends. Alex. Oui? Tu reconnais Pierre-Yves? Qui est une ancienne flamme à toi que t'avais perdu de vue. Pierre-Yves? Quoi? Oh mon écœur! On n'était pas. Ah! On n'était pas ensemble! Hein? C'est quand j'étais allé avec ma sœur à Tampico! T'as une sœur! Oh mon écœur! Je suis pas sûr de bien gérer la situation, de voir deux gars comme ça qui se marient, que je connais l'un et l'autre dans un contexte différent. Ça m'angoisse grandement. Ting-ting-ting-ting-ting! Non, je parle que je suis sourd! Trêve de jalousie et de triangle amoureux, j'aimerais quand même que les amoureux ici présents s'embrassent. Alors, c'est la raison pour laquelle je lève ma bouteille, je lève mon verre aux amoureux. Je te tends les mains présentement. Oui. Tu es là. OK. Tu es là. Alors, chers amoureux... Oui, attends, je vais m'essuyer juste la face un peu. Je vais me mettre un voile, moi. Et comme... Voile! Et comme on a eu quelques histoires qui se sont entrecroisées, laissez-moi m'immiscer dans cette belle démonstration d'amour pour qu'on puisse, une dernière fois, avant que vous partiez en vie commune, s'embrasser à trois. Je suis pas prêt à tout. Non, je suis pas prêt à tout ça. Ah, je suis comme vierge. Envoie un trip à trois. OK, mais je ferme ma bouche. Qu'est-ce que tu penses que je parle? Putain, ça t'apprendra, mon salaud. Mario... Comme tu es la femme dans le couple, tu manges tes émotions et là, tu demandes qu'on coupe le gâteau pour que tu puisses en manger. Oh mon Dieu! Je sais pas si c'est mon Dieu! Attends, je vais le trouver le gâteau. Il est où le gâteau, là? Je l'ai! Je l'ai, chérie! Ah, attends! Je vais fermer mon restaurant comme il faut! Il est où, là? Allez, les gars, venez ici. Oui? J'aimerais une dernière fois... Devez-vous en... Non, toi, tes dernières fois, ça suffit! Devez-vous en... Ah! Ah! Hey! Hey! Ça vous apprendra à vouloir m'exclure! Ça vous apprendra à vouloir faire votre vie sans moi, gang d'écœurants! Il t'a-tu mis de la crème, mon amour? Je te dirais qu'en ce moment, j'ai pas mal d'affaires! Ça... C'est qui, ça? T'es qui? C'est le nouveau mari. C'est le chien Mira. Hey, reste là. Alex et là, Mario, comme, vous vous installez. Attends, il y a comme une intuition qui me dit qu'il y a un caméraman par là. Hop! Ah, j'ai une chaise. Mario, c'était raté, malheureusement.
OK. Bon. Oh, alors, est-ce que quelqu'un prendrait un petit rafraîchissement? Non, mais je voulais une serviette, j'en ai une ici, là. OK, non, ça va être correct. Vous êtes où? Vous êtes où? Alex, qui... on dirait que t'as peur. Qui m'a demandé de l'eau? C'est lui à côté, pour c'est moi. C'est qui, toi? Oh, non, Chris, c'est pas moi. Non, c'est qui, non. toi? C'est... Tiens, qui voulait un petit peu d'eau? Oh, excuse. T'es-tu correct? Là, oui. Pour vous calmer, Mario va oui. maintenant lancer son bouquet. Oh, tu peux oui. aller le chercher dans le placard. Il est dans le placard, au fond. Il y a le placard, est là, là. Oui, tu continues le placard. Ah, hey! C'est quoi? Hey, c'est moi, c'est le placard. Oh, ah, je suis le placard. Oh, je l'ai. J'ai mon bouquet. Attention, c'est le lancer du bouquet. Ah! OK, là, hey, je vais lancer le bouquet. Celui qui l'attrape, il se marie dans l'année. Pierre-Yves, tu lâches ton cabaret. Ah! Arrêtez de me lancer. Vous êtes prêt, là? Oui. Mario... J'ai le bouquet! Je le veux! Mario, il faudrait que tu le lances, oui, comme ça, là. Dans, un petit peu plus vers ta gauche. Encore un peu. Voilà. Pierre-Yves, tu oui. garoches sur le bouquet. Tu veux le bouquet? Il est à terre, oui. Il est où? Plus à gauche. Où ça? En dessous de la chaise. Oui. Oui. Ah. Enfin, Mario, on va pouvoir vivre notre vie. C'est un signe. Viens dans mes bras. Viens, t'es où? T'es où? T'es où? Ah! Mario et Pierre-Yves, vous dansez ensemble. C'est la fête. Et même Alex se joint à vous. Oh, trip à toi. Musique. Ouais. Musique. Ah! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive l'amour! Vive les mariés! Tout ça sous les applaudissements d'un public en délire! Venez me rejoindre! Oui! Oh! Quelle performance de notre jeu dans le noir! On les applaudit! Mais voyons donc! Quelle émission exceptionnelle! C'est tout pour nous ce soir. Et on les applaudit, hey, ça. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci à nos artistes. Et merci à vous à la maison pour cette magnifique journée qui a du chien. Vous pouvez continuer de donner en allant sur vpourmira.ca. Merci d'avoir accepté d'embarquer dans nos niaiseries, mais aujourd'hui... Merci d'avoir embarqué dans nos niaiseries. Et aujourd'hui, elles servent une belle cause, celle de la Fondation Mira. Merci d'être généreux. Nous autres, on se retrouve très bientôt et on va pas toucher, hein, parce que ce soir, vous êtes... Bye bye, tout le monde, votre soir! Avec ça! C'est malade! Grosse toi, grosse salle! Bye bye! Ce soir, tout est permis!